Et nous sommes préférés de suite partir à l'extérieur du ring. Et le combat a lieu dans le public. Face à là, monsieur l'arbitre contemple du haut du ring, il n'a pas à intervenir, effectivement. Voilà, Poulet réclame. Ça va se passer maintenant dans le public. Arrivé. Oui. On retrouve là. Au sol. On va laisser faire le public. Vous voulez de l'homme. Attention. Voilà que ça se passe tout près. On a bien entendu là, il n'y a pas de problème. Alors que... Ah non. Là, c'est Ragnar qui renvoie. Monsieur l'arbitre, vous allez pouvoir regagner le ring. Je veux venir moi aussi. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Alors oui, on peut y aller, ça y est. Voilà, monsieur l'arbitre intervient. Sur Gala, qui a dû tenir des propos incohérents à l'arbitre. De ce fait, monsieur l'arbitre est intervenu. Alors, au centre du ring, on a Ragnar qui est opposé à Gamma. Allez, Gamma. Le gamin qui va tenter d'immobiliser. Voilà, dégagement.
Et c'est Aguilar qui a pris le. Mégana se dégage. Et voilà, le premier relais entre Ragnar et Vicente, mais il faudrait que Ragnar maintenant passe de l'autre côté. Voilà, ça y est. Et là, c'est donc Ragnar qui est opposé à Gama. Allez, on encourage, allez, voilà, on prend bien les mains avec eux. On va encourager Gama et Lionel, allez. Attaque. Et là, c'est Gama maintenant qui est en mauvaise posture. Et il est amené dans le coin et relé entre Vicente et Ragnar, mais j'en profite. Au passage, pour donner, alors que Éloane est venu supporter Ragnar et... Hé, papy ! C'est bon, ça suffit, là, la Roumanie, là, c'est bon, hein ? Ah, alors que l'explication entre... C'est quoi ce Roumain ? Et Ragnar... C'est quoi ce Roumain ? Et il a projeté les 120 kilos de Ragnar. Qu'est-ce qu'il m'a fait tout à l'heure? Dans les cordes. L'arbitre fait lâcher dans les cordes. Nous en sommes à 10 minutes de combat. La tentative de relais entre Lionel et Gama. Alors va-t-il y arriver? Il est... Mais non, ça ne touche pas. Et Gama subit toujours. Va-t-il réussir à passer la main? Alors que hein, l'arbitre suspecte que Lionel s'est intervenu. Mais là, c'est le... Oula là là. Et là, Ragnar est en train de donner vraiment tout ce qu'il peut à ce pauvre Gama. Allez, prends le main. Alors que Lionel n'a pas réussi à pouvoir rentrer. Non, 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 c'est l'arbitre qui compte. Non, 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 non. C'est l'arbitre qui compte. Monsieur l'arbitre n'est pas bienvenu. Ce n'est pas un lutteur à compter, c'est l'arbitre qui doit compter. Et Vicente intervient avant que Gama ait le temps de donner le relais à son partenaire. Décidément, Gama est en train de recevoir, je ne sais pas s'il arrivera à passer le relais à Lionel. Allez, il faudrait que Gama arrive à se sortir de là. Ah ben voilà, un premier avertissement à l'équipe Ragnar et Vicente pour lutte irrégulière.
et la prise de soumission, toujours la spéciale à Ragnar. Il faut que le gamin s'en sorte, allez, encourageons le gamin. Hein. Allez, gamin, allez. Arrive à passer le relais. Là, tu y arrives, mon gamin, allez. Ah, s'il arrive à toucher la main. Là, il va peut-être moins faire le fier. Ragnar. Et Ragnar s'en prend une autre à Lionel, va-t-il tenter? Ça ne touche plus. Voilà, va-t-il abandonner? Va-t-il abandonner, gamin, sur cette prise? Non, non, il fait signe que non. Il veut maintenir. Il faudrait que Vicente soit à l'extérieur du ring, monsieur l'arbitre. Lâchez la prise dans les cordes. Voilà, monsieur l'arbitre intervient. Fait lâcher. Et Gamma est toujours au sol. Ah, les cheveux, les cheveux. Attention, si l'arbitre intervient. Pas les cheveux. Ragnar en a fait les feux déjà tout à l'heure. Continue à subir la pression. Allez, gamin, arrête, allez, 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 faut aller vers Lionel, faut... Allez, encore, encore un effort, encore un effort, gamin. Je me suis trompé, j'étais gamin. Alors que l'arbitre a retourné sur la gueule, sur l'arbitre. À plusieurs, c'est meilleur. Allez, le relais, le relais, le relais. Eh non, Gamma n'y arrivera pas, il est repris au passage. Non. Que va-t-il lui faire? Et là, je crois que... Non. Ah, va-t-il réussir à passer à Lionel qu'on voit? Lionel, un petit peu, donner la correction, comme il le mériterait, à Ragnar et à Vicente. Et jusque-là, il n'a pas eu le temps pour plus exprimer sa classe, Lionel, car Gamma n'arrive pas à lui passer le relais. En fourchement. Voilà. Voilà, alors que l'arbitre demande à Ragnar de lâcher. Il est en... Ah voilà, un deuxième avertissement à l'équipe Ragnar Vicente. Attention, troisième, ce sera la disqualification. Mais entre-temps, Gamma est
saouler le coup. Par un magnifique saut chassé. Et là, on va pouvoir voir. Je savais très bien que si Lionel arrivait à rentrer, ça serait la correction pour les deux. Allez, Lionel, voilà, les 120 kilos. En l'air. Allez, on encourage Lionel, tous ensemble. Allez, Lionel. La punition est figée. Ah, je ne peux plus la vite aller les côtés à trois tous les deux. La chute sur le dos de Vicente.